Le prince Charles et Camilla ont salué la remarquable ingéniosité des scientifiques et des travailleurs du NHS dans le déploiement du vaccin contre le coronavirus à l'anniversaire du premier vaccin administré, dans un appel pour que les autres se fassent vacciner. Dans une déclaration conjointe, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont déclaré que le programme de vaccination de masse lancé l'année dernière était une réalisation extraordinaire. Ils ont exhorté le public à se faire vacciner et prendre le rappel, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Ils ont noté que les personnes qui ne sont pas vaccinées sont au moins 10 fois plus susceptibles d'être hospitalisées ou de mourir que les personnes à double piqûre. Le 8 décembre de l'année dernière, Margaret Keenan, 90 ans, a reçu le premier vaccin Pfizer pour le public britannique à l'hôpital universitaire de Coventry. Administré par Matron May Parsons. Depuis lors, près de 120 millions de doses ont été administrées à travers le Royaume-Uni. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont déclaré un an plus tard, c'était l'hommage le plus énorme à l'ingéniosité et à la détermination remarquable de toutes les personnes impliquées que, un an après la première vaccination contre Covid-19, plus de 100 millions de doses ont maintenant été livrées. Nous ne pouvons qu'offrir nos remerciements et nos félicitations les plus sincères à tous les scientifiques, bénévoles et travailleurs du NHS qui ont contribué à cette réalisation extraordinaire. Et à tous ceux qui n'ont pas encore eu le vaccin, ou hésitent avant de se faire un rappel, nous ne pouvons que vous exhorter à regarder les preuves dans nos services de soins intensifs et à écouter ceux qui y travaillent. Les personnes non vaccinées sont au moins 10 fois plus susceptibles d'être hospitalisées ou de mourir que celles qui ont reçu 2 doses de vaccin. C'est pourquoi nous exhortons tout le monde à se faire vacciner et à prendre le rappel, comme nous l'avons fait nous-mêmes.